Guinness, camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2016 qui s'achève a été riche en événements pleins de signification pour notre nation. Cette année, nous l'avons commencée sous de très bons auspices. La résilience de notre économie, malgré un contexte défavorable, était saluée par les bailleurs de fonds, dont le Fonds monétaire international. Nos forces de défense et de sécurité avaient repoussé et mis Boko Haram sur la défensive. Notre pays s'engager résolument dans une nouvelle phase de son grand projet pour l'accélération de la croissance, la création d'emplois et des richesses. Les circonstances au fil des mois ont mis à rude épreuve cet élan prometteur. De même, un certain frémissement sur le front social et politique, a semblé par moments fragiliser les fondements même de notre vivre ensemble. Mais nous avons toujours su tenir bon, au bout du compte. Je voudrais donc, avant toute autre chose, vous dire solennellement ce soir que le Cameroun est un pays plus que jamais debout. Un pays un et indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté. Un pays riche de ses hommes talentueux et entreprenants. Un pays doté de ressources importantes. Un pays regardant l'avenir avec confiance et détermination, décidé à relever les défis pour garantir le progrès social et la prospérité de tous. Au moment où l'année 2016 s'achève, je ne saurais oublier le deuil qui, de façon inédite, a frappé notre pays lors de la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka. C'était un moment de grande douleur pour la nation entière. Notre peuple a su faire preuve de solidarité dans ce drame. L'enquête approfondie que j'ai prescrite dira la vérité. J'en tirerai les conséquences. Je m'y suis engagé. Mes chers compatriotes, je voudrais maintenant m'apesantir sur les derniers événements survenus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces événements nous interpellent profondément dans notre chair et dans notre esprit. Par le fait d'un groupe de manifestants extrémistes, manipulés et instrumentalisés, des Camerounais ont perdu la vie. Des bâtiments publics et privés ont été détruits. Les symboles les plus sacrés de notre nation ont été profanés. Les activités économiques ont été paralysées momentanément. Tout cela, vous en conviendrez, est inacceptable. Les libertés politiques et syndicales sont effectives dans notre pays. Elles sont garanties et encadrées par nos lois et règlements. Dans ce cadre, chaque citoyen
est bien fondé d'exprimer son opinion sur tout sujet de la vie nationale, y compris par l'observation pacifique d'un mot d'ordre de grève dûment déclaré. Il s'agit d'un droit fondamental du citoyen voulu par le peuple camerounais, puisque garanti par la Constitution. Ce droit est inaliénable dans l'idéal démocratique que j'ai proposé au peuple camerounais et que, quotidiennement, nous construisons ensemble, patiemment et obstinément. Il n'est pas convenable que certains veuillent se servir de ce cadre de liberté pour poser des actes de violence et chercher à porter atteinte à l'unité de notre pays. En pareille circonstance, l'État a le devoir impérieux de rétablir l'ordre au nom de la loi et dans l'intérêt de tous. Agir autrement, c'est compromettre notre démocratie. C'est laisser l'anarchie s'installer à la place de l'état de droit. Je condamne de façon énergique tous les actes de violence, d'où qu'ils viennent, quels qu'en soient les auteurs. Nous tirerons toutes les conséquences des différentes enquêtes en cours à ce sujet. Que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Les voix qui se sont exprimées ont été toutes entendues. Elles ont, dans bien des cas, soulevé des questions de fond que l'on ne saurait négliger. J'ai instruit le gouvernement d'engager un dialogue franc avec les différentes parties concernées pour trouver des réponses appropriées aux questions posées. Je les invite à participer sans préjugés aux différentes discussions. Mais ne l'oublions jamais, nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux, qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation unie dans sa diversité. L'unité du Cameroun est donc un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. Et quelle que soit la pertinence d'une revendication, celle-ci perd toute légitimité sitôt qu'elle compromet, tant soit peu, la construction de l'unité nationale. Le peuple camerounais, comme un seul homme, s'est engagé à construire une nation unie, inclusive et bilingue. Il s'agit là d'une expérience unique en Afrique. Comme toute entreprise humaine, notre expérience n'est pas parfaite. Elle a des aspects perfectibles. Nous devons donc rester à l'écoute les uns des autres. Nous devons rester ouverts aux idées amélioratives, à l'exclusion toutefois de celles qui viendraient à toucher à la forme de notre État. En dehors des instances dont j'ai prescrit la création au gouvernement et qui fonctionnent déjà, nous sommes prêts à aller plus loin. Nous sommes disposés, à la suite et dans l'esprit des artisans de la réunification, à créer
une structure nationale dont la mission sera de nous proposer des solutions pour maintenir la paix, consolider l'unité de notre pays et renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du vivre ensemble. Et cela, dans le strict respect de notre Constitution et de nos institutions. Dois-je le redire, le Cameroun est un et indivisible. Il le demeurera. Il tire sa richesse et sa force de la diversité de son peuple, de ses cultures et de ses langues. C'est ce pluralisme qui voit notre pays considération, respect et admiration. Le Cameroun est un pays démocratique, un état de droit. Les problèmes doivent y être réglés dans le cadre de la loi et par le dialogue. Nos compatriotes veulent vivre dans la paix et la concorde. Il ne faut pas les troubler. C'est aussi pour cela que notre pays s'est engagé dans la lutte contre Boko Haram. À ce propos, je crois pouvoir dire que l'année 2016 a permis de pousser ce groupe terroriste dans ses derniers retranchements. On peut, semble-t-il, espérer que cette nébuleuse aura du mal à se relever des coups qui lui ont été portés. Mais il faudra rester vigilant. L'éventualité d'attentats suicides isolés comme celui du 25 décembre dernier n'étant pas à écarter. Cette évolution favorable est à mettre au crédit de nos forces de défense et de sécurité nationale, de la force multinationale mixte et de la coopération avec les autorités nigérianes. C'est le lieu de nous féliciter également de l'appui de nos partenaires internationaux que je tiens à remercier. Je dois aussi mentionner le rôle important des comités de vigilance qui, par leur bravoure et leur dévouement, ont réussi à maintes reprises à déjouer des tentatives d'attentat. Je tiens à saluer une nouvelle fois l'attitude du peuple camerounais dont le patriotisme dans ces moments difficiles n'a jamais fait défaut. Oui, l'unité nationale se forge dans les épreuves. Nous devons maintenant consolider la sécurité intérieure, reconstruire, organiser le retour des déplacés et ranimer l'économie locale. Pour tout dire, redonner vie et sérénité aux régions sinistrées. L'État y pourvoira dans toute la mesure de ses moyens, en comptant sur le dynamisme des populations et l'accompagnement des partenaires au développement. Malgré le poids des dépenses de sécurité, le gouvernement n'a pas relâché ses efforts pour favoriser la croissance de notre économie. Plusieurs de nos grands projets de première génération sont pratiquement opérationnels ou sur le point d'entrer en service, tels que le port de Kribi, le barrage de Lompangar et les centrales de Mevele et de Mekin. Pour réduire la fracture énergétique et mettre fin au délestage, d'autres grands chantiers, comme les centrales de Bini Awarak, Menchoum, Sondon et Naktigal, vont compléter ce programme. Avec la création de la Société nationale de transport d'électricité,
nous entendons régler nos problèmes de transport et de gestion de l'énergie. Le développement de notre réseau routier est également en progrès. Un vaste programme de construction ou de réhabilitation de routes est en cours d'exécution à travers tout le pays. Je ne citerai que les plus remarquables, comme les autoroutes Yaoundé-Douala et Simbalène-Yaoundé, dont les travaux avancent normalement, mais aussi les entrées est ou ouest de Douala, ainsi que le deuxième pont sur le Vouré. À plus long terme, nous envisageons la création d'un réseau routier et ferroviaire à vocation interrégionale pour faciliter l'accès à nos gisements miniers et stimuler nos échanges avec les pays voisins. Le Cameroun se trouve à la jonction de deux grands ensembles économiques d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Pourquoi n'ambitionnerait-il pas de devenir cette plaque tournante à laquelle la géographie le prédispose? Le développement de notre capacité énergétique et l'extension de notre réseau routier ont pour finalité principale la création des conditions optimales pour l'industrialisation de notre pays. Celle-ci est notre grand défi des prochaines décennies. En même temps, on peut en attendre une confirmation de l'évolution favorable de la situation de l'emploi constatée ces dernières années. À titre d'exemple, jusqu'en octobre 2016, 320 000 nouveaux emplois ont été recensés. Par rapport à l'exercice précédent, ceci représente une augmentation de près de 20%. Cette performance est à saluer au vu de la morosité ambiante. Toutefois, nous devons faire mieux et pour cela, nous avons l'obligation d'assainir la gestion de l'ensemble des économies de notre sous-région. C'est pour cette raison que j'ai jugé utile de réunir récemment à Yaoundé l'ensemble des chefs d'État de la CEMAC. Cette rencontre nous a permis de prendre des mesures destinées à redynamiser la croissance dans notre zone, tout en accélérant l'intégration de nos économies et la libre circulation des biens et des personnes. Le Cameroun fera son devoir à cet effet. Au service de notre aspiration pour l'émergence à l'horizon 2035, nous travaillons continuellement à l'augmentation de notre production agricole, à la transformation industrielle de nos matières premières et à l'expansion de l'économie numérique. Le budget de l'État pour l'année 2017 est un juste reflet de cette volonté d'amplifier la dynamique autour de ces secteurs hautement stratégiques. Mes chers compatriotes, les chantiers sont nombreux pour assurer le progrès social et la prospérité à notre pays. Nos atouts sont connus de tous, mais nous avons encore de la difficulté à transformer notre potentiel en réalité gagnante. C'est pour y réfléchir que j'ai initié la conférence économique internationale « Investir au Cameroun, terre d'attractivité » au mois de mai 2016, vous vous en souvenez. Bien au-delà des rencontres d'affaires non négligeables, à l'occasion, cette initiative inédite, du reste saluée par nos partenaires au développement, a permis un partage d'expériences fort utiles au sujet de la marche vers l'émergence économique.
Dans ce monde interconnecté, nous avons voulu accueillir en toute simplicité le regard des autres sur notre capacité à intégrer l'économie globale. La moisson a été abondante en termes de principes d'action retenus en vue de l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Dans un avenir proche, nous en verrons la traduction concrète dans nos institutions. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet à maintes occasions. Diverses manœuvres de résistance ou d'inertie freinent nos avancées. Il nous faudra lever ces obstacles pour générer un environnement des affaires sain et attractif, accélérateur du progrès dans notre pays par un arrimage adéquat aux dynamiques globales. Il est de la responsabilité de la puissance publique d'y veiller. Je vais m'y employer fermement. Si je pense que l'État doit jouer un rôle de régulateur et de facilitateur, voire d'investisseur dans certains domaines précis, je pense également qu'il appartient au secteur privé d'investir partout où existent des opportunités. Par ces temps où la diversification est une véritable bouée de sauvetage pour les économies de la CEMAC, il est bon que nos investisseurs se montrent à leur avantage. Par exemple, pour capter les opportunités qu'offre l'intégration régionale ou les différents accords de partenariat économique auxquels le Cameroun est parti. Je lance donc un appel en direction de nos créateurs de richesses pour qu'ils prennent toute leur part afin de stimuler la croissance de notre économie. Il y va de l'intérêt de tous. Le peuple camerounais qui commence à percevoir le bénéfice des sacrifices qu'il a consentis pendant des années ne veut pas revenir à l'austérité. Je suis en accord avec lui. Ceci nous commande de mettre tous la main à la pâte, dans un parfait engagement patriotique. À l'exemple de nos valeureuses lionnes indomptables, elles se sont données à fond depuis de longues années, sans rechercher de vaines et précoces gloires. Elles se sont déployées avec détermination, talent et bravoure. Elles ont convaincu par la qualité de leur expression dans le jeu. Elles ont séduit par leur qualité morale et éthique du jeu, qui leur a mérité le trophée du fair play. Elles ont reflété la diversité camerounaise forte dans la défense du drapeau national. Et bien qu'elles n'aient pas remporté le trophée final lors de la CAN féminine 2016, elles ont procuré de la joie et de la fierté à toute une nation. Ce bel engagement patriotique est un appel à tous, chacun et chacune, dans sa situation particulière, pour servir partout le devenir du Cameroun avec sens de l'exemplarité. Mes chers compatriotes, je voudrais, avant de conclure, vous inviter à avoir une pensée pour nos soldats et nos citoyens civils tombés pour la défense de la patrie tout au long de l'année 2016, ainsi que pour les victimes de la catastrophe ferroviaire survenue à Zeka il y a peu. Le moment est maintenant venu de formuler pour notre nation le vœu que l'année 2017 porte en abondance des fruits de paix
et de concorde, de progrès et de prospérité économique pour tous. Bonne et heureuse année 2017. Vive le Cameroun. Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, the year 2016, which is drawing to an end, was marked by many events of great significance for our nation. This year, we got off to a good start. Donors, including the International Monetary Fund, hailed the resilience of our economy despite an unfavorable context. Our defense and security forces beat back Boko Haram and put it on the defensive. Our country resolutely embarked on a new phase of its ground project to accelerate growth and create jobs and wealth. As the months rolled by, circumstances put this positive momentum to the test. Similarly, some social and political unrest occasionally seemed to undermine the very foundations of our togetherness. But ultimately, we were able to hold our ground. Therefore, I would like first and foremost to solemnly state tonight that more than ever before, Cameroon is standing on its feet, a country that is one and indivisible, proud of its cultural diversity and jealous of its freedom, a country that is replete with talented and enterprising people, a country that is endowed with abundant resources, a country that is looking to the future with confidence and determination, resolved to meet the challenges of ensuring social progress and prosperity for all. As the year 2016 draws to a close, I must recall the unprecedented bereavement our country suffered during the Ezeka railway disaster. It was a time of profound grief for the entire nation. Our people demonstrated solidarity during that tragedy. The probe I have ordered will reveal the truth. I will draw the conclusions thereon as promised. My dear compatriots, I would now like to dwell
on the events that have unfolded recently in the northwest and southwest regions. Physically and emotionally, we are deeply concerned about these events. Due to the acts of a group of manipulated and exploited extremist rioters, Cameroonians have lost their lives. Public and private buildings have been destroyed. The most sacred symbols of our nation have been desecrated. Economic activities have been paralyzed momentarily. You would agree with me that all of this is unacceptable. Our country does enjoy political and trade union freedoms, which are guaranteed and governed by our laws and regulations. Against this backdrop, every citizen can rightfully opine on any aspect of national life, including through duly declared peaceful strike action. This is a fundamental civil right as desired by the Cameroonian people, given that it is enshrined in the Constitution. This right is inalienable in the model of democracy which I proposed to the Cameroonian people and which together we have been building daily, patiently and resolutely. It is unbecoming of some people to use this context of freedom to commit acts of violence and try to undermine our country's unity. Under such circumstances, it is the state's bounden duty to restore order in the name of the law and in the interest of all. To act otherwise is to jeopardize our democracy and allow anarchy to prevail over the rule of law. I strongly condemn all acts of violence, regardless of their sources and their perpetrators. We will fully draw conclusions from the various inquiries being conducted on the matter. Let me make this very clear. It is not forbidden to voice any concerns in the Republic. However, nothing great can be achieved by using verbal excesses, street violence, and defying authority. Lasting solutions to problems can be found only through peaceful dialogue. All the voices that spoke have been heard. They have, in many cases, raised substantive issues that cannot be overlooked. I have enjoined the government to engage in frank dialogue with the various parties concerned to find appropriate solutions to the issues raised. I urge them to participate without any bias in the various discussions. However, we should never forget that we are walking in the footsteps of our country's founding fathers, our national heroes who shed their blood to bequeath to posterity a nation that is united in its diversity. Cameroon's unity is therefore a precious legacy with which no one should take liberties. Any claim to, no matter how relevant,
loses or loses its legitimacy once it jeopardizes even slightly the building of national unity. All Cameroonians, without exception, have embarked on building a united, inclusive, and bilingual nation. This is a unique experience in Africa. Like any human endeavor, our experience is not perfect. There are aspects that can be improved. We should therefore listen to each other. We should remain open to constructive ideas, to the exclusion, however, of those that would affect the form of our state. Besides, the bodies that are instructed the government to set up and which are already at work, we are ready to go an extra mile. We are willing to move in the footsteps and the spirit of the architects of reunification and put in place a national entity which will be tasked with proposing solutions aimed at maintaining peace, consolidating our country's unity, and strengthening our resolve and our day-to-day experiences of living together. And this should be done in strict compliance with our constitution and our institutions. Do I need to repeat this? Cameroon is one and indivisible. It shall so remain. Its wealth and strength are derived from the diversity of its people, its cultures, and its languages. Such is the pluralism that has earned our country the esteem, respect, and admiration it enjoys. Cameroon is a democratic country, a state governed by the rule of law. Its problems should be resolved within the ambit of the law and through dialogue. Our compatriots want to live in peace and harmony. They should not be disturbed. That is also why our country is engaged in the war against Boko Haram. In this regard, I can safely say that in 2016, this terrorist group was driven to the wall. There seems to be hope that this shady terrorist group may not recover from the setbacks it has suffered. However, there is a need to remain vigilant. The possibility of isolated suicide attacks like that of the 25th of December last cannot be ruled out. Credit for this positive development goes to our National Defense and Security Forces, the Joint Multinational Task Force, and cooperation with the Nigerian authorities. We should also commend the support given us by international partners, to whom I extend my thanks. Also, I should mention the key role of vigilante committees, which, thanks to their courage and devotedness, were, on many occasions, able to foil planned attacks. I must once again commend the Cameroonian people for their steadfast patriotism during these difficult times. Yes, ordeals help forge national unity. We must now ramp up internal security, reconstruct, organize the return of displaced persons, and revive the local economy. In short,
bring back life and tranquility to the affected areas. To that end, the state will do its utmost while counting on the dynamism of the people and support from development partners. Despite the burdens of security spending, the government has not relented in its effort to promote economic growth. Many of our major first-generation projects, such as the Kribi port, the Lompanga Dam, and the Mimvele and Mekin power plants, are virtually operational or about to be commissioned. To bridge the energy gap and end load shedding, other major prospects such as the Bini, Awarak, Menchum, Songdong, and Natigal power plants will supplement this program. Our power transmission and management problems will be resolved with the establishment of the National Electricity Transmission Corporation. The development of our road network is also progressing. An extensive road construction and rehabilitation program is ongoing nationwide. I will mention only the most notable of them, such as the Yaoundé, Douala, and Nsimaleng Yaoundé motorways, where work is going on normally, but also the east or west entryways to Douala and the second bridge over the Vouri. In the longer term, there are plans to create an inter-regional road and rail network to ease access to our mineral deposits and stimulate trade with neighboring countries. Cameroon lies at the crossroads of two major economic blocks, namely West and Central Africa. Why, therefore, should it not seek to become the hub it is geographically predisposed to be? The main objective of boosting our energy capacity and extending our road network is to create the best conditions for our country's industrialization. This is our major challenge for the coming decades. It will also confirm the positive employment trends observed in recent years. For instance, as at October 2016, 320,000 new jobs were recorded, representing an increase of nearly 20% compared with previous financial year. Given the overall gloomy economic situation, this performance is commendable. However, we should do better. To that end, we must improve the management of all the economies of our sub-region. That is why I deemed it necessary to convene a meeting of all CEMAC heads of state in Yaoundé recently. This meeting enabled us to take measures to revive growth in our zone while accelerating the integration of our economies and the free movement of goods and people. Cameroon will fulfill its duty to that end. In keeping with our ambition of achieving emergence by 2035,
We are relentlessly working to increase our agricultural production, ensure the industrial processing of our raw materials, and expand the digital economy. The 2017 state budget truly reflects this resolve to increase momentum on these highly strategic sectors. My dear compatriots, there are many ongoing projects designed to promote social progress and prosperity in our country. Our assets are known to all. However, we are still having difficulty unlocking our potential. It was in a bid to reflect on such difficulty that in May 2016, I initiated the International Economic Conference on the theme Investing in Cameroon, Land of Opportunities. Besides important business meetings held during the conference, this unique initiative, which was hailed by our development partners, enabled us to share extremely valuable experiences on the path to economic emergence. In this interconnected world, we sought, in all simplicity, to get others' view on our capacity to access the global economy. The harvest has been bountiful in terms of the principles of the actions adopted to improve the business climate in Cameroon. This will be reflected in our institutions in the near future. I have already expressed my view on this issue on many occasions. Our progress is constrained by various forms of resistance or inertia. We should remove such obstacles and create a sound and attractive business environment that accelerates progress in our country by aligning with the appropriate global dynamics. Responsibility here lies with the government. I will see to it resolutely. Though I believe that the state should play the role of regulator and facilitator, and even investor in some specific domains, I also believe that the private sector should invest wherever there are opportunities. At a time when diversification is a veritable lifeline for CEMAC economies, our investors should, for instance, take advantage of the opportunities offered by regional integration or various economic partnership agreements to which Cameroon is a signatory. I am therefore appealing to the creators of our wealth to fully play their role in stimulating our economic growth in everyone's interest. The Cameroonian people who are beginning to reap the benefits of the sacrifices made over the years do not wish to return to austerity. I see with them. This requires us all to put our hands on deck in perfect patriotic favor, like our heroic indomitable lionesses. For many years, they gave their all without seeking vain and early glories. They demonstrated hard work, resolve, talent, and bravery.
They won hearts through the quality of their performance in the game. They appealed through their moral quality and the ethics of the game, which earned them the Fair Play Trophy. They reflected Cameroon's great diversity as they defended the national colors. And though they did not win the coveted trophy of the 2016 Women AFCON, they brought joy and pride to an entire nation. Such an excellent demonstration of patriotic favor is an appeal to everyone, each in his or her specific sphere, to defend Cameroon's future everywhere in an exemplary manner. My dear compatriots, before concluding, I would like to invite you to spare a thought for our soldiers and civilians who fell while defending our fatherland in 2016, as well as the victims of the recent Ezeka railway disaster. I would now like to express the wish for our nation that the year 2017 would abound with the fruits of peace and harmony, progress and economic prosperity for everyone. Happy and prosperous New Year 2017. Long live Cameroon. Vive le Cameroun.